Après avoir vaincu le diabolique professeur Thaddeus Black et l'avoir envoyé dans les cavernes profondes pour qu'il disparaisse à jamais, Elishane et sa bande pensaient que leur combat était terminé. Mais les courageux héros eurent à peine le temps de reprendre leur souffle qu'un nouvel ennemi menaçait Slugterra, le sorcier Goon. Une boule dotée du pouvoir maléfique de contrôler les esprits. Elishane et sa bande triomphèrent de leurs adversaires, libérant le lanceur esclave de l'emprise démoniaque du Goon. Le sorcier perdit un laquais, et Eli et sa bande gagnèrent un allié. Junji, le mystérieux lanceur venu des cavernes de l'Est. Et voilà! C'était la toute dernière aventure des plus grands héros de Slugterra. Qu'est-ce que vous en dites, les enfants? Vous voulez devenir lanceur de slugs quand vous serez grand? Oui? Eh bien, il va vous falloir beaucoup de courage. Est-ce que vous êtes courageux? Et motivé? Vraiment passionné? Bien, car c'est une vie difficile mais exaltante. Je serai prêt à parier que Shane et sa bande sont en train d'accomplir un exploit qui vous laissera pantois d'admiration. Non. Ellie. Papa? Tu dois réunir les cinq élémentaires. J'y comprends rien. Ce n'était qu'un rêve, les amis. Je vais bien. Tu n'arrives pas à dormir, Ellie ? Non, c'est la télé, elle est un petit peu forte. J'ai rêvé de feu et de destruction, des cavernes en plein chaos sous l'emprise du Goon, et de monstrueuses griffes qui... Des griffes? J'ai fait le même rêve. Je crains que ce ne soit plus une prémonition qu'un rêve. Saoma. Eh bien, quoi qu'il en soit, je vais pas retourner me coucher avec le Goon en tête. Et le meilleur moyen de m'éclaircir les idées, c'est de commencer par un duel. T'as envie de t'amuser? Je suis toujours prêt à m'améliorer. Zunbei! Hoichi! Excellent. On peut commencer? Dans une minute. Allez, on se réveille, les filles. Bien joué, Electra. Bien, rangez-vous correctement. Allons-y. Maintenant, on est prêt. C'est parti! Ah!
Salut. Merci pour ce duel revigorant. Tu as l'air d'aller mieux depuis que tu n'es plus sous l'emprise du goon. Oui, et j'ai hâte d'utiliser toutes mes compétences pour te remercier d'avoir mis fin à ma captivité. Je comprends toujours pas comment tu contrôles tes slugs avec le slug fou. À vrai dire, je n'ai fait que m'entraîner depuis mon plus jeune âge. Un tir de slug, une slug bélier. Ah, oh, c'est rien, suis-moi. Tu peux reconnaître une slug rien qu'au bruit qu'elle fait? Waouh. Allez, vas-y, Blue John. Ah! Oh, on dirait que tu veux me jouer un sale tour. Eh bien, l'ami, n'oublie pas que nous les taupes, la saleté, on connaît. Et prends ça. Je t'ai bien eu et Brontosaurus prend la tête. Tu peux encore gagner, ma belle. Qu'est-ce que c'est que ça? Des prototypes de Formule 1 pour les slugs. Je ne comprends pas. C'est une super invention. Les slugs portent un casque qui reçoit des signaux émis par les blasters. Excusez-moi, je comprends ce que vous faites. Ce que je ne comprends pas, c'est... Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi jouer à des jeux pour s'amuser? Ça ne prend pas du temps sur l'entraînement. Attends, t'as jamais joué à des jeux même quand t'étais petit? Je suis né pour être le protecteur de ma caverne et c'est un honneur qui a de nombreux avantages. Par exemple, je n'ai pas besoin de blasters modifiés ni de technologie pour contrôler mes slugs. Quoi? Hey, je ne suis pas d'accord, c'est de la triche. Excuse-moi, Pronto, je vais m'occuper de la maintenance de ta mécabette pendant une semaine. Oh non, 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 j'insiste, pendant 2 semaines. Qu'est-ce qui te prend, fillette? Quelque chose transforme nos slugs en ghouls. Blaster! Soigne-la, docteur! Ça n'a pas marché! Attendez, si les slugs d'ici se transforment en ghouls, que sont devenus les autres là-bas? Dans le salon! Toutes les slugs ballons, les protosaurus, les voltigeuses, les tornades se sont transformées! La situation est grave, vraiment grave! Ça ne marche toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, regarde. La ferme du vent est envahie. Cette caverne ne fonctionne que grâce aux voltigeuses et aux tornades. Nous allons commencer par aller y faire un tour. Tout le monde en selle. Allons-y. En tout cas, rien ne peut nous arriver de pire aujourd'hui. Le clan des ombres. J'ai pas tout compris. Il dit que nous devons partir, maintenant, aller dans un de leurs villages près du bassin Xanadu. Tu parles la langue des ombres? Ah, mais bien sûr que tu parles leur langue. Le bassin Xanadu? Ça prend des jours pour s'y rendre en méca. On ne peut pas y aller. Toutes nos slugs de l'air ont été transformées en ghouls et on va à la ferme du vent. Quand tu auras écouté le message, j'ai des raisons de croire que tu changeras d'avis. Le message? Quel message? Le message que ton père t'a laissé. Mon père? Si le glyphe s'embrase, appelle le fils. C'est ce qu'a dit Will Shane. Quoi? Mon père a dit ça? Nous n'avons que peu de temps. Tu dois venir avec nous tout de suite. Allons-y, les amis. Junji, tu viens? C'est pour moi un honneur de vous accompagner. Alors, comment on fait pour y aller? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que... Que ça va sans doute faire mal. Manquez plus que ça. Je ne suis jamais autant amusé.
Oh, ma pauvre tête. Oh, j'ai l'estomac tout retourné. J'ai dû avaler mon cerveau et mon estomac a un peu de mal à le digérer. Excusez-moi. Tout va bien. Ça ira mieux dans un moment. Aucun entraînement ne peut préparer à ça. Et excuse-moi d'avoir crié. Les slugs se transforment en ghouls dans toutes les cavernes. Alors, que dit le message de mon père ? C'est tout ? C'est une slug Enigma. Je croyais que nous possédions la seule qui existe. Oh, elles sont adorables. Je suis plus mignon. La slug Enigma agit sur la vision et permet de voir des choses. Pourquoi mon père nous en a-t-il laissé une ? Que j'aille là-bas ? Bon, d'accord. Bien, et maintenant ? Oh, c'est pas vrai. Nous te donnerons accès au message. Nous espérons qu'il contient des solutions à nos problèmes. Maintenant, nous devons partir et faire tout notre possible pour neutraliser les ghouls qui infestent les autres cavernes. Mais attendez, est-ce que vous êtes... Papa ? Ellie, je regrette d'avoir à te le dire, mais ce n'est pas ton père. Ceci est un hologramme. Oh, merci Pronto. Quand tu veux. Ellie, j'ai enregistré ce message dans l'espoir que tu ne l'écouteras jamais. Tu es maintenant le seul Shane, et je ne suis plus à tes côtés. Nous aurions pu vivre de formidables aventures tous les deux, et je suis sûr que je peux être fier de l'homme que tu es devenu. Je t'ai appris toutes les différentes slugs qui existent dans les 99 cavernes. J'aurais bien aimé. Mais il n'y a pas toujours eu autant de variétés. Il n'y en avait que 5 au tout début. La terre, l'air, l'énergie, l'eau et le feu. Chaque slug qui existe descend d'une de ces 5 élémentaires. S'il arrivait quelque chose à une élémentaire, toutes les slugs apparentées subiraient un sort terrible. C'est ce qui a dû arriver à Bluster et aux autres. L'élémentaire de l'air a sûrement été corrompu. Si tu visionnes ce message, c'est que malheureusement, il s'est déjà passé quelque chose. Ensemble, les 5 élémentaires ont d'incroyables pouvoirs. C'est pour ça qu'elles ont été éparpillées dans les 99 cavernes. Tu dois à tout prix les rassembler. C'est la seule façon de réparer le mal qui a été fait. Je regrette de ne pas pouvoir t'aider, mon fils. Papa, je... Cette carte, Ellie, te conduira à leur cachette. La carte ainsi que cet enregistrement sont stockés dans cette slug Enigma. Je suis désolé, mais lorsque tu voudras t'en servir, il faudra qu'on te la lance. Oh, les humiliations qu'on doit subir pour sauver notre monde ! Toi seul auras accès à la carte, Ellie, en répondant à des questions qui nous concernent tous les deux. Dis seulement « Trouver l'élémentaire de la Terre » et je te poserai la question mot de passe. Bonne chance, fils. Papa, attends ! Ah, Ellie, pour la dernière fois, ce n'était pas ton père, tu sais. Ce n'était qu'un vulgaire hologramme, compris ? Ça recommence. Beaker, non. C'est pas vrai, toutes nos slugs d'eau sont atteintes. Ce qui a contaminé l'élémentaire de l'air contamine également l'élémentaire de l'eau. Il faut vite rejoindre cet endroit et enrayer la corruption avant qu'elle ne se propage. Je suis d'accord, il faut trouver une solution au plus vite et guérir nos slugs. La carte est réglée sur toi, Ellie. Tu peux trouver cette caverne? Oui, j'en suis certain. Trouver l'élémentaire de l'eau.
Toi et moi, on aimait bien faire de la luge l'hiver à la cabane. Comment avions-nous appelé notre luge? Oh mince, petit bolide. Ma luge s'appelait Petit Bolide. Petit Bolide. Accès autorisé. Localisation. La caverne du Ressac. C'est tout près d'ici. En selle. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les élémentaires transformés en goules ont complètement anéanti l'énergie slug de cette caverne. Oh. Ellie, les Darkman! Oh, manquait plus que ça. C'est pas très rassurant. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Ils sont tous là pour obéir à mes ordres. Le Goon! Le Goon s'est trouvé un nouveau lanceur. Et il s'est allié au Darkman. Et je n'ai qu'un ordre à donner. Attaquez! C'est sûrement le Goon qui a pris les élémentaires. Je ne sais peut-être pas qui sont ces monstres, mais toi, je te connais trop bien. Je te connais encore mieux, petit protecteur. J'ai déjà pris possession de ton esprit. Et pour ça, tu vas payer. Vengeance, Toutou. Oui, grille-le, Burpee. Vous arrivez trop tard. On a transformé en goules les élémentaires de l'air et de l'eau. Quand mon associé sera de retour, nous nous approprierons les trois restantes. On ne m'avait pas dit qu'on allait faire des maths? Ellie, on va tenter de sauver l'élémentaire de l'air. Tâche de retrouver l'élémentaire de l'eau. Le problème, c'est que d'après la carte, l'élémentaire est sur cette île. Et il y a les Darkman entre la mer et nous. On va s'occuper d'eux, Ellie. Vas-y. Cord, creuse-moi une sortie vers le littoral. Je te fais ça immédiatement. À nous de les tenir en respect. Tenir en respect? Pronto va vous livrer le Goon sur un plateau d'argent avec une bombe dans la bouche. Après une petite pause, bien sûr. Impossible de traverser en nageant dans cette eau sombre. Si on passait par les airs. Je n'ai plus de seize. Junji, passe-moi une perce-roche. Quoi? C'était pourtant pas difficile. Le Goon était dans la ligne de mire. Tu n'as pas guidé ta slug selon les règles du slug fou. Est-ce que j'ai l'air de connaître le slug fou? Ton petit numéro ne t'a pas aidé à sauver tes cavernes, Junji. Et il ne t'aidera pas non plus ici. Quant à toi, Ellie, je vais détruire tes cavernes. Ensuite, je soumettrai tes précieux élémentaires à ma volonté. Tu sais que je peux le faire. Tu m'as vu à l'œuvre. Attendez. Où est Ellie? Je crois qu'on devrait entrer là. Ouvre l'œil, il faut mettre la main sur l'associé du Goon. Et on devra le neutraliser pour récupérer l'élémentaire de l'eau. J'ai l'impression que cet endroit ne m'est pas inconnu. Il devrait être là, quelque part. Oh, le voilà enfin. Il fera une très jolie goule. Non, professeur Black, mais... comment avez-vous... Mon petit voyage dans les cavernes profondes a été très revigorant.
Oui, ça m'a vraiment ragaillardi.